Horoscope du jour. Jeudi 15 août. Horoscope Bélier. Amour. Globalement, la journée s'annonce agréable pour les couples. On n'ira pas jusqu'à dire que vous êtes sur un petit nuage, mais le ciel s'éclaircit significativement. Si vous sortez d'une période difficile avec votre conjoint, cela vous donnera des ailes. Attention cependant à l'influence d'Uranus mal aspecté, sa présence pourrait rendre certains natifs irritables et peu à l'écoute. Célibataire, l'amour n'est plus très loin. Quelques rencontres de plus et vous tomberez sur le prétendant apte à faire chavirer votre cœur. Santé. Placé ainsi dans l'orbite de Neptune, vous naviguez en eau trouble et essayez tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Ce conflit quasi permanent entre vous et l'extérieur peut se révéler par des maux de tête, des acidités gastriques ou des problèmes de sommeil. Cela devrait très vite s'atténuer si vous parvenez à lâcher prise et à faire abstraction des orages qui surviennent dans votre environnement. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs de votre entourage. Travail. Malheureusement, cette journée ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices et vous aurez à souffrir des mauvais afflux de Pluton qui s'apprête à entrer dans la maison 4. Cette position ne vous est pas favorable et pourrait avoir des conséquences inattendues sur votre sphère financière. Afin de limiter cette influence néfaste, réfléchissez bien à deux fois si vous avez des dépenses à effectuer et ne vous lancez pas tête baissée dans un nouveau projet qui pourrait s'avérer moins rentable que prévu. Famille. Les natifs du premier décan pourraient être déçus de la suite donnée à un projet qui leur tenait particulièrement à cœur. Ne vous laissez pas décourager et profitez de l'influence de Mercure qui arrive dans la maison 2 pour essayer de rebondir et d'insuffler une nouvelle dynamique à vos desseins. Les autres natifs du signe devront s'armer de patience pour venir à bout des nombreux obstacles qui pourraient survenir au cours de la journée. Si vous vous sentez débordé par les événements, vos proches pourraient s'avérer d'une aide précieuse. Horoscope Taureau. Amour. En couple, vous vous montrez très exigeant, sans doute trop pour que votre relation n'en souffre pas. Votre priorité aujourd'hui sera donc d'être plus accommodant avec votre partenaire. Ce ne sera pas facile car Mars en cet aspect focalise votre attention sur ses défauts et ses échecs, mais c'est la condition sine qua non si vous voulez éviter les orages. Célibataire, vous menez une vie sociale particulièrement active et pouvez espérer faire une jolie rencontre. Attention cependant à ne pas trop en attendre. Laissez faire le temps. Santé. Les influences positives du soleil vous permettent d'entamer cette journée sous les meilleurs auspices. Si vous étiez un peu malade ou fatigué ces derniers temps, les choses vont nettement s'améliorer. Dans tous les cas, votre tonus et votre vitalité seront au plus haut aujourd'hui et vous permettront d'abattre un travail monstre en très peu de temps. Attention toutefois à ne pas vous imposer un rythme trop soutenu, le retour de bâton pourrait être violent. Travail. Cette journée placée sous le patronage de Jupiter promet de vous satisfaire sur tous les points. Exit les difficultés relationnelles que vous pouviez ressentir avec vos pairs. Exit aussi tous ces fichus contretemps qui prennent un temps fou, sans jamais aboutir. Aujourd'hui, tout est réglé comme du papier à musique et les choses roulent comme sur des roulettes. Profitez-en pour achever le travail que vous avez mis de côté ces derniers jours et faire du tri dans vos documents, vos outils de travail ou votre ordinateur. Famille. Toujours disponible pour vos amis, vous avez su tendre la main et apaiser leurs tourments. Aujourd'hui, à votre tour, vous avez besoin d'aide. De nature fière, vous n'osez pas trop attirer l'attention. Du reste, vous souhaitez régler vos propres problèmes en totale autonomie. Pourtant, malgré vous, ce petit test va permettre d'effectuer un large tri. On dit souvent que l'amitié, c'est l'écrin du cœur. À vous de séparer distinctement les pierres précieuses de la pacotille sans la moindre valeur. Horoscope Gémeaux. Amour. Que se passerait-il si vous partiez du jour au lendemain sans prévenir votre partenaire? C'est la question que se posent de nombreux natifs du signe aujourd'hui, tant ils ont l'impression de ne pas compter pour leur conjoint. Avec Mars en cet aspect, vous entrez en période de doute et de remise en question. Si vous parvenez à démêler vos peurs des réalités de votre couple, cette démarche vous sera très bénéfique. Célibataire, vous faites face à un sentiment de vide et de solitude qui devrait, dès le départ de Mars, s'atténuer. Santé. Vénus se penche sur votre signe. En règle générale, les natifs ressentiront un instant de plénitude. Ce bien-être se produira sans justification aucune, à moins qu'il résulte d'une séance de natation, d'un massage ou d'une pensée positive. Une petite minorité des natifs rencontrera une légère carence en cuivre, en particulier les femmes enceintes ou les mères qui allaitent.
Cet oligo-élément reste essentiel à la santé. Pour combler ce manque, il vous suffit de consommer du crabe, du chocolat noir ou encore des lentilles bien cuites. Travail. On vous pousse dans un sens, mais le feu de la rébellion brûle en vous. Cheval cabré, vous refusez obstinément d'obtempérer. Vous avez la conviction que les aspirations des autres vous concernant sont erronées et vous entendez le faire savoir. Pour défendre votre point de vue, vous n'hésiterez pas à ruer dans brancard, quitte à vous attirer des inimitiés. À ce stade, peu vous importe, vous avez foi en votre bonne étoile et vous savez très bien où vous allez. Nul ne vous intimidera et vous triompherez face à l'adversité. Famille. C'est le moment idéal pour renouer le dialogue avec un membre de votre famille avec qui vous étiez en froid. Maintenant que le gros de la frustration s'est estompé, vous êtes prêt à discuter pour mettre le doigt sur la source du problème. Malheureusement, votre parent ne se trouvera pas dans d'aussi bonnes dispositions que vous. Dans ce cas, laissez-lui le temps de se calmer de son côté, plutôt que de vous laisser reprendre par la colère. Il est plus difficile d'étouffer les flammes d'un feu une fois qu'il a été ravivé. Horoscope Cancer. Amour. Vous vous sentez mélancolique alors même que votre couple se porte au mieux. La lune dans votre axe ressuscite des émotions du passé et vous rend nostalgique des débuts. L'occasion peut-être de célébrer la longévité de votre amour et sa stabilité, malgré les turbulences. Votre partenaire saura faire preuve de compréhension et vous montrera les bons côtés d'une relation ancrée dans la durée. Célibataire, vous parvenez difficilement à vous défaire d'une relation pourtant révolue. Cela décourage vos soupirants. Santé. Les bons comptes font les bons amis, et ça marche aussi pour le sommeil. C'est d'autant plus le cas que vous êtes aujourd'hui sous l'influence négative de la Lune, astre à l'origine de la plupart des troubles du sommeil. Si vous ne dormez pas assez, vous risquez de subir une baisse de performance au cours de la journée ou, pire, de piquer un somme au beau milieu de l'après-midi. Si vous dormez trop, ce n'est pas mieux, vous allez vous sentir tout raplapla, mal réveillé, jusqu'à 17h et avoir du mal à vous endormir le soir venu. Trouver le juste milieu et s'y astreindre n'est donc pas un luxe. Travail. À l'instar du petit pousset, vous avez cru qu'en semant un peu partout vos graines d'économie, vous alliez pouvoir retrouver votre chemin. Malheureusement, la crise est passée par là et a tout dévasté sur son passage. En contrepartie, vous devez vous reprendre et apprendre à mieux gérer votre argent. Sinon, vous n'allez jamais récolter le fruit de tous vos efforts mais juste le pépin. Faites confiance à Mars pour vous tracer la route vers des récoltes foisonnantes. Famille. L'influence de Mars va rythmer la vie des natifs de votre signe, surtout ceux du premier décan. L'ambiance planétaire vous est favorable. Vous avez envie de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Si vous parvenez à être bien organisé, vous réussirez à passer du temps avec vos enfants, vos amis et votre famille. Attention toutefois aux blessures si vous entreprenez une activité sportive dans le cadre d'une sortie en famille. Faites aussi attention aux plus petits qui se font mal plus facilement. Horoscope Lion. Amour. Vous vous pensiez à l'abri de tous les ennuis dans votre petit nid douillet. Pourtant, un incident a enrayé le mécanisme bien rodé de votre quotidien. Mettez un peu d'huile de coude pour que cet épisode devienne un obstacle à franchir, non pas séparément, mais ensemble. Mieux, à plus ou moins court terme, il vous aidera à fixer ces quelques principes de base comme communiquer, respecter, choyer. Avec ces trois mousquetaires, vous disposez des armes de reconstruction affective pour tout affronter. Santé. Vous êtes un peu flagada. Le moindre mouvement vous demande des efforts et vous resteriez bien au lit toute la journée. Il n'est pas impossible que vous manquiez de fer. Pour remédier à cela, vous pouvez entreprendre une cure de magnésium ou ajouter à votre alimentation quelques aliments riches en magnésium. Ne le prenez pas comme une punition, le cacao, les fruits secs, amandes, noix, noix de cajou, les fruits de mer, bananes, avocats ou pommes regorgent de fer. De quoi retrouver la forme tout en se faisant plaisir. Travail. Une sortie d'argent assez conséquente et que vous n'aviez pas prévue pourrait survenir aujourd'hui. Cette situation vous conduira à essayer de faire appel à une aide extérieure pour trouver une solution rapide à ce problème. Vous pourriez bénéficier de la main tendue de quelqu'un que vous ne pensiez pas enclin à vous venir en aide. Sachez mettre votre orgueil de côté en acceptant ces coups de main inattendus qui pourraient vous aider à faire face à cet imprévu aux conséquences potentiellement onéreuses. Famille. N'hésitez pas à faire preuve de persévérance si vous avez un projet qui vous tient à cœur. En effet, les astres vous sont favorables aujourd'hui et instaurent un climat propice au bon déroulement de ce que vous mettrez en œuvre.
Vos proches risquent d'être surpris de l'engagement que vous porterez à la réalisation de cet événement, mais seront ravis de vous venir en aide si vous en exprimez le besoin. Mettez de côté votre fierté et acceptez l'aide proposée, elle sera gage de réussite et de succès. Horoscope Vierge. Amour. La complémentarité de Jupiter agit positivement sur vous et vous vivez une relation complice fondée sur l'équilibre. Mieux qu'un couple, vous formez une équipe, capable d'affronter les tracas du quotidien avec solidarité. Célibataire, vous cherchez l'âme sœur tout en souffrant du complexe de Narcisse. Vous aimez votre reflet et souhaitez déceler en l'autre des qualités qui vous sont propres. Attention à ce travers de personnalité, car à trop vouloir flirter avec votre double, vous risquez aussi de retrouver en lui certains de vos défauts. Et vous n'en êtes pas dépourvu, quoi que vous en pensiez. Santé. Cette période de repos vous a fait le plus grand bien. Vous avez réussi à prendre du recul sur les raisons qui vous ont conduit à cet état de saturation. De ce fait, refaire le chemin en sens inverse n'aurait pas de sens. En dominant le GPS de votre organisme, Mars vous emmène loin des tracas et des débats sans queue ni tête. Prenez appui sur les valeurs qui résument le prestige de votre signe. Avec tout votre courage et votre détermination, vous êtes en mesure de tout affronter. Travail. Au sein de votre société, vous occupez une position importante, sans pour autant manager vos collègues. Populaire, votre voix est écoutée et appréciée à la fois par vos pairs et par vos supérieurs. Votre esprit vif et apaisé parvient à convaincre les personnes les plus réticentes. Vous savez prendre des initiatives, mais également vous effacer lorsque cela s'avère nécessaire. Ne pensez-vous pas que votre popularité et vos compétences mériteraient une promotion? Utilisez votre sens de la diplomatie pour récolter le fruit de vos efforts. Famille. D'une sensibilité exacerbée, vous estimez que votre entourage fait preuve d'ingratitude à votre égard. Vous souffrez d'être relégué au second plan chaque fois que vous n'êtes pas utile. De fait, vous vous employez systématiquement à rendre service, pour rester en pole position, quitte à entretenir un cercle vicieux. La lune bien aspectée vous aidera à dominer votre émotivité et à mieux comprendre les ressorts de votre propre fonctionnement. Horoscope Balance. Amour. L'influence de Mercure vous fait passer maître dans l'art de la dissimulation. Si vous ne menez pas une double vie, au moins l'envisagez-vous plus que sérieusement. Vous semblez penser que l'herbe est plus verte ailleurs et ne vous privez pas de provoquer des occasions de rencontre. Un terrain glissant qui pourrait vous valoir d'être découvert. Il est temps de rentrer dans le rang. Célibataire, si vous en êtes à établir des listes sur les qualités et défauts de vos prétendants, c'est que vous manquez peut-être de romantisme, santé. Vous devrez faire attention à ne pas prendre de risques inconsidérés aujourd'hui. Vous vous trouvez dans un climat astral particulièrement troublé, qui subira l'influence conjointe de la Lune et de Mercure. Notre satellite vous fera profiter de son aura bienfaitrice qui vous apportera un regain d'énergie, mais ses belles dispositions seront contrariées par les affres de Mercure, synonyme de tourment et de déception. Préférez jouer la prudence et si vous en avez la possibilité, préférez une journée placée sous le signe de la circonspection. Travail. La position d'Uranus dans votre ciel aura une influence directe sur votre climat astral et pourra créer quelques perturbations au travail aujourd'hui. Vous devriez peut-être faire plus attention à la perception que les autres ont de vous, en effet, votre confiance en vous est susceptible d'être mal ressentie par certaines personnes de votre entourage professionnel. Faites preuve d'empathie ou on pourrait vous reprocher un certain égoïsme. Cela n'aura pas de conséquences à long terme mais pourrait vous mettre dans une position délicate que vous aurez du mal à justifier. Famille. Votre caractère méfiant vous pousse à opérer un tri sélectif dans votre cercle amical. Guidé par Jupiter, votre instinct se laisse emporter par l'ivresse de la chasse. Vous éradiquez les trop distants, les trop moqueurs, les trop égoïstes sans faire dans la dentelle. Vous risquez de regretter plus tard ces jugements par trop sommaires. Apprenez peut-être à adopter des positions plus nuancées et à accepter vos amis avec leurs qualités et leurs défauts. Horoscope Scorpion. Amour. En couple, depuis quand n'avez-vous pas pris le temps de surprendre votre partenaire? Laissez parler votre naturel, vous trouverez l'inspiration qui vous permettra d'aller au-devant de ses désirs, voire même d'assouvir certains fantasmes qui n'avaient jamais été formulés. Les petites attentions seront très appréciées, quel que soit le domaine dans lequel vous les prodiguez. Célibataire, vous êtes plein de fantaisie, ne changez rien et soyez à l'écoute de vos envies les plus inattendues. Cela vous rend irrésistible.
santé. La présence de Saturne dans votre ciel peut indiquer que vos os sont fragilisés. Pour vous prémunir contre d'éventuels problèmes, vous pourriez vous tourner vers des aliments antioxydants comme les fruits, consommer des poissons gratels, que le maquereau ou la sardine, avec de l'huile d'olive, du miel, boire du thé vert et faire une petite cure de spiruline. La robustesse de votre cœur fait en revanche plaisir à voir, le soleil veille sur vous. Ascendant Bélier, vous redoublez de vitalité, une excellente journée en perspective. Travail. Avec cet aspect de Jupiter, vous pourriez vivre une petite baisse de morale en ce qui concerne votre réalité financière. En particulier s'il y a parmi vos fréquentations des personnes qui gagnent plus que vous. Vous pourriez avoir du mal à suivre et vous retrouver trop souvent à vous faire entretenir. Ce sentiment de dépendance n'est pourtant pas une fatalité. Si vous voulez réciproquer la générosité de vos proches, prenez en charge l'organisation des prochaines sorties. Choisissez vous-même des activités ludiques et abordables où ce sera votre tour de leur offrir un verre par exemple. Famille. Un dilemme viendra perturber votre paix d'esprit. Face à cette décision difficile, vous serez tenté de suivre le conseil d'un de vos proches. Tenir compte de cette opinion extérieure vous permettra probablement de prendre un peu de recul par rapport à votre situation personnelle et de mieux évaluer vos options. Néanmoins, quel que soit votre choix final, il vous faudra prendre le temps de bien considérer ses tenants et aboutissants afin de ne pas le regretter plus tard. Une décision assumée vaut mieux que 1000 conseils avisés. Horoscope Sagittaire. Amour. Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, est un adage qui semble aujourd'hui gouverner la moindre de vos actions. La présence de la planète Mercure dans votre axe évoque un chassé-croisé amoureux digne des plus grands vaudevilles. Vous êtes en plein marivaudage. Ascendant Balance, votre indécision atteint des sommets, vous êtes désorienté au point de ne plus savoir du tout ce que vous voulez. Vous souhaitez tout et son contraire au point de rendre chèvre l'élu de votre cœur. Santé. Votre santé se porte admirablement. Mais vous devriez vous faire un peu plus confiance. Pour cela, il faut bien sûr positiver et lâcher prise. Vous serez alors réellement serein en toutes circonstances. Si cela peut vous aider, prenez rendez-vous chez un sophrologue ou faites de la méditation. Un petit massage aux pierres chaudes et un bon repas vous redonnera toute la force dont vous avez besoin. Travail. Vous devriez découvrir une belle surprise sur votre compte en banque en le consultant dans la journée. Tant mieux, vous pouvez en mettre un peu de côté pour organiser de jolies vacances avec votre famille ou vos amis et faire les quelques achats qui vous font de l'œil depuis quelques jours. Par ailleurs, votre situation professionnelle va évoluer de manière radicale. Vous aurez une belle opportunité pour changer d'emploi, que vous soyez déjà en poste ou au chômage. Sautez sur l'occasion, cela arrive très rarement. Famille. Un sentiment de solitude grandissant vous tiraille ces derniers temps. Cela est probablement dû au fait que certaines personnes de votre entourage entament un nouveau chapitre de leur vie, tandis que vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre progression personnelle. Ne tournez pas le dos à vos projets et gardez-vous de prendre des décisions trop hâtives. Ce sentiment d'abandon temporaire ne va pas tarder à s'estomper et vous reprendrez du poil de la bête en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Horoscope Capricorne. Amour. Grâce à l'influence prononcée du soleil, vous réussirez à mettre en lumière vos plus beaux atouts. Cet éclat appuyé permet aux célibataires de se mettre en vedette, sans timidité lors d'une soirée, par exemple. L'astre aide à combattre ses a priori et à faire de nouvelles conquêtes. En couple aussi, cette aisance relationnelle aide à construire une union solide et durable, basée sur la sincérité. Vous parviendrez à exprimer clairement vos désirs à votre partenaire, qui vous suivra à 100% dans vos projets. Vous avez la parole, saisissez-la. Santé. Si vous persistez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez être confronté à un petit problème de santé qui vous forcera à prendre un peu de repos. Vous êtes sous l'influence néfaste de Jupiter et votre système de défense s'en montre affaibli. Écoutez attentivement les recommandations qui peuvent vous être faites ou cela aura des conséquences préjudiciables au projet que vous aviez planifié pour les prochaines semaines. Ne cherchez pas à en faire trop, ménagez-vous et tout cela sera bientôt derrière vous. Travail. Votre nature franche s'accommode mal des faux-semblants auxquels vous êtes confronté. Plus brut de décoffrage que tacticien, vous aimeriez que l'on s'adresse à vous sans détour ce que de votre côté vous ne vous privez pas de faire. Vous devriez peut-être avancer vos pions avec davantage de prudence et de retenue. La franchise est une qualité, l'excès de franchise une imprudence. Choisissez un langage plus policé, ménagez vos arrières, exposez-vous moins, même si vous répugnez à la discrétion et au compromis. Famille.
Pour les natifs du troisième décan qui sont parents, veillez avec une attention toute particulière à votre progéniture qui pourrait avoir besoin d'une épaule compatissante. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous devrez être vigilant à ne pas causer du tort par mégarde à quelqu'un qui vous est cher. Ce climat particulier s'explique par l'arrivée de Pluton dans la maison 2, faites donc attention à ce que vos paroles ne dépassent pas vos pensées et veillez à prêter une oreille attentive aux personnes qui vous entourent. Horoscope Verseau. Amour. Vous avez toujours été attiré par les fortes personnalités et les caractères bien trempés. Célibataire, vous rencontrerez une personne qui vous brusquera. Avec cette position de Pluton, vous risquez de tomber amoureux rapidement. Attention toutefois, une passion qui commence trop rapidement peut prendre fin aussi vite qu'elle a commencé. Si vous êtes en couple, votre conjoint va mettre un peu de piment dans votre vie à deux. Vous lui accordez votre confiance tout entière et n'imaginez pas la vie sans lui. Santé. Vous avez trop chaud et puis trop froid, vous ne savez si vous devez enfiler un pull ou le quitter, vous avez tout l'air d'être un peu fiévreux. Natif du premier décan, vous êtes d'une nature frileuse ce qui peut fausser votre appréciation. Si vous avez de la fièvre, pensez aux méthodes naturelles pour faire chuter votre température, prenez un bain d'eau tiède, hydratez-vous au moins 8 à 12 verres d'eau par jour, avalez un bon jus d'orange frais et préparez-vous une infusion à la fleur de sureau. Le repos fera le reste. Travail. Les natifs en poste qui ont une longue carrière derrière eux s'en sortent plus matures. Vous achevez un travail de longue haleine qui a requis un engagement sans faille de votre part. L'épreuve que vous venez de traverser a construit le professionnel exemplaire que vous êtes devenu. Vous recevez la gratitude de vos collègues et amis. Vous retrouvez enfin votre famille que vous avez peu vue ces derniers temps. Vous méritez à présent un peu de calme et de repos. Parviendrez-vous à résister à la tentation de retourner dans l'arène ? Famille. Vénus bien aspectée révèle des relations amicales et familiales au beau fixe. Vous saurez vous montrer particulièrement prévenant à l'égard de vos proches et les guider dans la bonne direction. Plus que jamais, vous êtes ce grand arbre à l'ombre duquel viennent s'abriter les uns et les autres. Généreux et altruiste, vous ne ménagez pas vos efforts pour aider ceux qui comptent pour vous à retrouver le sourire. Vous n'attendez rien en retour et ne vous vantez jamais de vos bonnes actions. Horoscope Poisson. Amour. En couple, l'amour réveille en vous des pulsions créatrices, ne bridez pas votre inspiration. Vous serez pleine de ressources aujourd'hui. Des discussions passionnées avec l'être aimé pourraient faire germer des projets inattendus, sur le plan artistique ou intellectuel. Célibataire, n'hésitez pas à faire valoir clairement votre point de vue lorsque vous échangez avec les autres et n'esquivez surtout pas les désaccords. Une rencontre intéressante pourrait avoir lieu lors d'un grand débat. Santé. Les astres vous aideront à changer votre alimentation et votre mode de vie. C'est donc le moment important pour arrêter de fumer, réduire votre consommation d'alcool, adapter une alimentation végétarienne ou tester un nouveau sport. Avec bienveillance, les planètes veilleront sur votre discipline et votre rigueur. Petit à petit, vos nouveaux gestes deviendront des habitudes et ces habitudes, des automatismes presque inconscients. Le chemin vers votre réussite vous tend les bras. Qu'attendez-vous ? Travail. Dans la situation actuelle, on ne vous cache pas qu'une remise en question est nécessaire. En effet, votre signe est régulièrement confronté à des phases d'euphorie puis de spleen. Pas d'inquiétude, cela arrive à tout le monde. Juste, pensez à regonfler vos brassards avant de vous noyer dans un verre d'eau. Ne vous en faites pas, la force de conviction de Pluton tend à faire basculer les choses en votre faveur. Famille. Le soleil empêche les natifs de votre signe, surtout ceux du premier décan, à voir les choses en face. Vous êtes à fleur de peau dès que vous passez le pas de votre porte. Vous avez du mal à trouver le bon équilibre. Vous n'accepterez pas les reproches, qu'ils viennent de vos amis les plus proches ou de votre conjoint. Ne pensez pas qu'ils vous veulent du mal, bien au contraire. Tentez d'apaiser la situation et prenez du temps pour faire le point sur votre vie actuelle, les tensions disparaîtront rapidement.